Chaque mascotte M&M's a une personnalité. J'attends de toi que tu me dises en commentaire laquelle te ressemble le plus. Rouge existe depuis 1954. Il est fort et confiant. Il a une personnalité charismatique et aussi très impulsif. Jaune existe depuis 1960. Il est toujours optimiste et énergique. Il est malheureusement parfois naïf et maladroit. Orange a rejoint l'équipe en 1976. Il a une personnalité un peu excentrique et fofolle. Son défaut, il a peur de tout. Heureusement, Red et Yellow sont toujours là pour le rassurer. 10 ans plus tard, Brown a rejoint l'équipe. Elle est très intelligente et sophistiquée. Malgré sa personnalité un peu snob, elle est toujours là pour donner des conseils et aider les autres. Il est l'observateur par excellence. Il est aussi celui qui apporte un peu de légèreté dans les situations délicates et toujours avec une petite touche d'humour. Elle est si reposante et délicate. Elle est aussi très intelligente et a confiance en elle. Enfin, c'est Violette, la cadette, qui est la plus timide et introvertie. Et personnellement, c'est ma préférée. J'adore les petites fleurs délicates. Toutes ces mascottes ont en fait été créées pour prôner la diversité dans la société. Le but est de pousser les consommateurs à célébrer les différences qu'il y a entre les individus. Et ça, on adore.